téléspectateurs de Conakry Nouvelle, bonjour à vous. Je suis très contente de vous recevoir, d'être avec vous encore. Aujourd'hui, nous sommes à l'hôtel où se trouve le célèbre groupe Circus Baobab. Vous connaissez le célèbre groupe Circus Baobab? Non. Alors, eux, ils ont été en France tout dernièrement. Ils ont fait la fierté de la Guinée. Ils ont envoyé plus haut le drapeau de la Guinée. Alors, ce soir, ils sont avec nous au Maroc pour le festival Visa for Music. Ils sont à l'hôtel. Recevez avec moi ensemble celle qui les coordonne avec nous ici aujourd'hui ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Circus Baobab. La façon dont vous m'avez annoncé, en fait, c'est ce qui me grandit. Yeah. Merci beaucoup. De rien, c'est normal. Être avec ce beau groupe-là et puis un groupe fort, super, qui font la fierté de la Guinée, c'est normal. Alors, vous êtes quoi au sein de cette structure? Bon, déjà, moi, mon nom, c'est Tunkara Aminata. Yes. Je suis l'administratrice de Circus Baobab. Circus Baobab, c'est quoi pour vous? C'est toute ma vie. Vous savez, j'ai commencé récemment à travailler avec eux, mais tellement que le projet, il est intéressant, ça m'embarque. C'est-à-dire, il faut se donner à fond parce que les gars, ils le méritent, quoi. Le rouge, jaune, vert, ils l'amènent au fond. Ils amènent notre drapeau vraiment sur tous les flambeaux du monde. Alors, ça mérite qu'on donne toute une vie pour eux. En plus, la Guinée, cette année, notre culture ne fait que partir. Tout à fait. Alors, est-ce que l'équipe est là au complet aujourd'hui à l'hôtel avec nous? Oui, ils sont là, seulement certains sont à l'étage, ils sont dans les chambres et d'autres sont là, comme vous le voyez déjà. On peut déjà vous montrer nos grands, yeah, hein, qui défendent fièrement, yeah, la Guinée, yeah, sur le plan international, yeah. Hein, yeah, vraiment. Alors, le déplacement, comment ça a été? Vous venez d'où pour venir ici? Pourquoi vous êtes là? Bon, là, on est invité au festival Visa for Music. Et les artistes, eux, ils viennent de Marseille parce qu'ils sont en tournée européenne là en ce moment. Donc, malgré ça, la Guinée les a demandé de les représenter ici. Ils sont venus défendre le drapeau guinéen d'abord, malgré qu'il y a la tournée. Donc, nous venons de Conakry. Monsieur Kerfala Kamara Bakala, le directeur exécutif de Circus Baobab, et moi, l'administratrice, nous venons de Conakry. Merci beaucoup à vous. Chers téléspectateurs, on est très contents, très fiers de partager ce petit moment avec nos baobabs de la Guinée, Circus Baobab. Merci beaucoup à eux pour le travail qu'ils font. Alors, je vais commencer par ma droite. Il y a d'autres qui sont à ma gauche. Désolé, attendez. Je commence par ma droite. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. C'est Circus et Bote Bomboy ou bien? C'est qui ça? Circus Baobab de l'Acrobatie. Oui. Ça va, tu te sens comment être au Maroc avec tes amis? Ça se passe comment? Oui, je me sens merveilleux avec les amis. C'est ma première fois de visiter le Maroc. Quoi. Merci. Ça ferait un grand plaisir. Quoi. Merci. Alors, toi, tu te lèves, tu viens, parce que je sens que toi, là, tu es un peu chaud dans le corps. Là. Ça va? Ça va, et toi? Ça va. Ça se passe comment dans le groupe? Est-ce que les entraînements, comment ça se passe? Les entraînements, ça se passe super bien. En fait, on a été invité par venir à assister à ce festival. Ben, avec le groupe Circus Baobab Family, on avait une tournée européenne et en fait, on a laissé ça pour venir représenter le rouge, jaune, vert de la Guinée. Oui, ici au Maroc. Merci beaucoup. Le reste de l'équipe se trouve dans les chambres. Vous allez venir avec moi. On va aller voir dans les chambres ce qui se passe. Circus Baobab, ici au Maroc, pour le festival Visa for Music. On vous dit un grand merci. Alors, let's go! Let's go, let's go, let's go, let's go, venez, c'est une surprise. Come on, let's go, c'est une surprise. Ils ne savent pas qu'on arrive. Hello, hello, how are you? Yeah. How are you doing? Are you okay? Are you fine? Je ne comprends pas ça. Hello, ça va? Ouais, ça va, et toi? Ça va bien, un peu, beaucoup? Ouais, ça va, ça se passe très bien quand même, on est là. Circus Baobab. Circus Baobab, c'est un grand cirque qui vit actuellement en Europe, précisément à Marseille. Bon, du coup, on fait la fierté de la Guinée-Conakry. Merci. Mais ça, c'est quoi ça? Ça, c'est le travail, ma soeur. Sista, ça, c'est le travail, Sista. Alors, ça va? Ouais, ça va, et toi? Circus Baobab. Ouais. En forme? En forme, très, très en forme même. Alors, et le capitaine ou le chef du groupe, il est où? Le Bakala, non, il n'est pas avec nous. Je pense qu'il est dans sa chambre.
Moussa. Ouais, ça va. Ça va. Chers téléspectateurs. On est avec le capitaine. Ego. Alors, Circus Baobab, vous connaissez les enfants? Oui. Ils sont numéro 1. Hormé, Faté, Sundi, Dimedine, Rabo, Massé, Dimedine. Ah, voyez les belles, Nanak. Mais quand vous faites, attention, vous êtes en train de représenter le pays, la Guinée, ici, ça vous fait quoi? Namise. Ça fait plaisir. Toujours fier, la Guinée. C'est la Guinée qui gagne partout. Est-ce que vous allez promettre à la population guinéenne que vous allez remporter ici? Inch'Allah, oui, nous sommes chauds, on va remporter le trophée, oui. Nous sommes chauds. C'est ce qui coule dans nos veines. On va... Voilà. Le trophée, ça sera pour nous, Inch'Allah. Wondokobio, ha ho ha. Non. Wondokobio, ha ho ha. Non. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Est-ce que vous êtes prêts? Yes. Wondokobio, ha ho ha. Ah voilà. Voilà le boss. Oh le boss. Il est là. C'est lui le boss, le grand patron. Ouais, voilà, le grand patron. Rapidement, parlez-nous un peu de ce groupe mythique, mythicolore. Conakry Nouvelle. Yes. Bonjour tout le monde. Merci. Bonjour les Conakrykas. On est au Maroc, au Rabat, avec le groupe Circus Baobab. Donc on vous invite le 20 décembre en France, parce qu'on va faire le final avec l'incroyable talent. Okay. Donc la Guinée est passée en finale, afin qu'on gagne les finales pour apporter les coupes en Guinée. Et qu'est-ce qu'il faut pour gagner la coupe? Qu'est-ce qu'il faut? Donc on demande tous les Guinéens qui vivent en France de voter. Parce que c'est le public qui vote pour faire. Ah bon, c'est ça? Oui. Si il s'agit de voter. Moi, la Guinée, je peux voter. Oui. Tout le monde peut voter. Même le président de la République peut voter. Ouais. Même un petit l'enfant qui est là, il peut voter. Non. Malik, il faut voter, toi aussi. Ah non, Malik déjà, il nous soutient sur ça. Donc Malik, il nous soutient, c'est grâce à lui qu'on est là. Donc on remercie beaucoup les Foudak. Je sais que les Foudak, ils entendent aider les artistes guinéennes. Merci beaucoup Malik Kébé et merci les ministères de la culture qui donnent du moyen aux Foudak. On veut que vous mettez encore beaucoup de moyens que les artistes jeunes, parce que les jeunes qui sont là, ils ont besoin de travail. Là maintenant, on a du travail, mais on a besoin de moyens. Donc on a besoin de vous. On veut que vous donnez le coup de main à Malik Kébé pour essayer d'avancer la culture guinéenne. Merci. Monsieur, je pense que c'est la première fois. Depuis 25 ans de carrière, j'ai fait tour du monde 7 fois. Depuis 25 ans, c'est la première fois que j'ai eu un billet d'avion gratuit pour la Guinée. Oh, j'espère que ça va continuer. Et merci beaucoup le président de la République parce que sans lui, le Foudak... Donc sans le président de la République, le Foudak n'est pas de moyens. Sans le ministère de la Culture, le Foudak n'est pas de moyens. On espère que tout est en train de changer petit à petit. Et si ça continue comme ça pour nous, parce qu'on a besoin de... Merci tonton Malik. Et votre programme pour le festival, vous allez jouer quand? Normalement, on joue tous les jours au festival ici. Demain, on va jouer à 17h, samedi aussi à 17h. Hier, on a fait l'ouverture, on a accueilli le public. Bon, c'est pas facile parce que nous, on est des cirques, on n'est pas de musique. Donc nous, on est en train d'adapter un peu partout. On joue sous les fonctions du public. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci Conakry Nouvelle aussi. Merci Conakry Nouvelle aussi pour être là. On viendra.
On viendra pour voilà. Ça fait longtemps qu'on a créé une nouvelle survie, Mago. Et ni en Amérique, bah, et ni en France, bah, partout dans le monde, mouna, vraiment, on va nous aller. On nous, madame, on va aller. C'est la Guinée qui gagne, on tanara. La Guinée qui gagne, Takadi va venir pour clôturer avec les cirques, les circus et les cirques courcous. Wanakobio, ha ho ha. Merci, chers téléspectateurs de Conakry Nouvelle. C'était un réel plaisir pour nous de vous servir, de vous faire voir le groupe fantastique, le groupe fantastique, le groupe avec la force, avec la fierté du drapeau rouge, jaune, vert. On vous donne rendez-vous le 20 décembre à Paris, en France, pour la grande finale. On va le remporter. Ce n'est pas l'argent qui compte, c'est le drapeau, notre culture qui compte. Ce groupe-là, j'ai confiance en eux. Je sais qu'ils vont le remporter. Votez massivement. Apportons notre soutien. Votez. Vous voyez la vidéo, alors allez sur l'internet, votez, donnez un maximum de force à ce groupe. On vous dit un grand merci. Le capitaine est là qui va conclure avec moi en vous disant merci. Yeah. Capitaine, tu as quelque chose à dire? Ah ben, yeah. Ok. Il faut, moi, tout ce que j'ai à dire. Sachez que nous sommes vraiment fiers de représenter le Rouge Zone Vert partout au monde. Vraiment, nous sommes émus. Nous sommes vraiment contents. La joie nous dépasse même. Voilà, content. Vraiment, merci beaucoup à vous, Conakry Nouvelle. Nous sommes vraiment contents, nous sommes heureux. Maximum à vous. Aussi formidables que d'habitude, ils sont en pleine forme, ils attendent juste de gagner. C'est voilà, ils sont au top. D'accord. Voilà. Alors, vous espérez qu'ils gagnent? Mais bien sûr, ils le méritent. Yeah. Eh oui. Vous avez un message pour eux, pour les conseiller ou pour les soutenir? Pour les conseiller, mais qu'ils fassent comme d'habitude, c'est les meilleurs et qu'ils le restent. Voilà, aussi simplement que ça, ils vont gagner. Voilà. C'est les meilleurs. Ouais. Circus Baobab, allez! Et Richard aussi. Ah. Écoutez, j'ai un seul mot à vous dire. Bravo. Merci. Vous avez tout pour réussir. Le numéro était parfait. La contorsion, vous avez la gymnastique, la danse, le sport, tout est là-dedans. Donc merci d'être merci là. Merci. Alors c'était un feu d'artifice. Ça partait dans tous les sens. Moi, ce qui m'a bluffé, c'est que techniquement, il y avait des choses très difficiles et très dangereuses. Et pourtant, vous avez eu le sourire du début à la fin, comme si c'était tranquille, alors que c'était tellement dur. Chacun a fait des exercices différents. Chacun, dans sa spécialité, a pris des risques. Vous nous avez amené beaucoup de joie, beaucoup de sourires, là. Merci. Je me demande si c'est pas le meilleur numéro de ce genre que j'ai vu depuis ces 8 dernières années. Merci. Il y a de la joie, il y a de l'amitié, il y a une famille, il y a du cœur, il y a énormément de travail, il y a de l'originalité, il y a une vraie écriture, il y a de la transpiration. J'ai pris un pied monstrueux, il n'y a pas une seconde de ce que vous avez proposé où je ne me suis pas pris de la joie, du bonheur dans le cœur. Et pour tout ça, l'intérêt de la Guinée est au-dessus des ambitions personnelles et individuelles. Vive la République, que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Je vous remercie.